et sœurs dans le Seigneur, où que vous soyez, où que vous nous recevez, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ. Comme vous savez, c'est notre rendez-vous habituel et cette année, c'est GMC, Joint à la Mer des Compassions 2023, dont le thème est « Transformé dans la présence de Dieu ». Alors ce soir, où maintenant nous recevons l'homme de Dieu, Pius Mbayabo. Bonjour, bonsoir pasteur. Nous sommes très 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 contents que vous soyez avec nous. Merci beaucoup. Cette fois-là encore. Alors pasteur, et comme vous le savez, le grand thème de juin, la Mer des Compassions 2023, c'est transformé dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, il a été question d'un sous-thème que vous avez exploité, qui est comment profiter de la présence de Dieu. Oui. Et il s'agit donc des exigences. Il y en a quatre. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la première exigence, laquelle pasteur? En fait, nous avons essayé de parcourir un peu, de retourner un peu en arrière pour voir d'où ça provient, toute cette histoire de parler de la présence de Dieu. Nous sommes allés dans les tabernacles, nous avons vu en fait que dans les temps anciens, Dieu avait donné des instructions de comment se retrouver dans sa présence. Il a établi les tabernacles, il a donné des instructions, étape par étape, et tout ce qu'il fallait faire. Mais tout cela était tout simplement l'image des choses à venir. Lorsque Christ est venu, on n'a plus besoin d'aller dans un tabernacle physique. Mais c'est là où nous tirons maintenant ce profit. C'est dans ce que Christ a accompli. Lorsqu'il a ouvert pour nous le chemin de la présence de Dieu, c'est pour que nous puissions profiter de cela. Et nous nous retrouvons ainsi dans ce que Christ a connu, telles que ses souffrances qui nous apportent ses saluts ou cet héritage d'entrer dans sa présence. Et nous voyons quels sont les bénéfices que nous tirons de ce sang qui a coulé de lui, qui deviennent alors, qui sont en train de devenir pour nous l'objet des réjouissances. Donc nous profitons de la première des choses par le sang qui a coulé des coups et des fouets qu'il a reçus. Exactement, pasteur. Donc ça, c'est la première réponse. Comment oui. profiter de la présence de Dieu? La première réponse, comme vous venez de le dire, c'est par le sang de Jésus. Le sang de Alors, Jésus. Nous voyons dans la parole de Dieu que le sang de Jésus a coulé de son corps. D'abord, par le sang est venu de la tête et il a coulé par le dos. Qu'est-ce que oui. cela ça veut dire, pasteur? C'est-à-dire que lorsque on voulait tuer Jésus, il fallait d'abord qu'il passe par des souffrances. Et les souffrances qu'on lui incombait avaient pour but de vraiment le faire souffrir. Et nous comprenons par cela que ce qu'il le faisait, et il pensait lui faire du mal, mais c'était pour nous un sujet de profit. En recevant les coups, d'après la culture romaine et juive, lorsqu'il fallait punir quelqu'un, on devait lui donner 39 fouets. Et chacune de ces fouets représentait une sorte de guérison. C'est pourquoi Ésaïe 53, le verset 7 nous dit, il a porté nos souffrances, nos douleurs, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc par ces fouets que Jésus a reçus, nous recevons de là la guérison. Amen, amen. Et nous voyons par là, pasteur, qu'au fait, Dieu a fait chaque chose avec un but. Yes. Même le sang qui coule. Le sang qui coule. Dans le corps de Jésus, chaque partie du corps a une signification. Exactement. Et alors, dans les 39 coups là, pourquoi 39? Comme je le disais, c'est que d'après cette culture, 40 coups tuaient la personne. Mais comme on ne voulait pas le tuer, on voulait tout simplement le faire souffrir, il fallait s'arrêter à 39. Mais c'est qu'eux-mêmes aussi ne savaient pas. Mais là, découvert plus tard par les scientifiques, les gens qui font des recherches, qu'il existe 39 sortes de maladies. Donc tout était déjà accompli. C'est pourquoi quand Christ meurt sur cette croix, il crie « Tout est accompli, tétélestai ». Donc aujourd'hui, nous sommes maintenant bénéficiaires Amen. De cela. Donc, nous nous réjouissons. Quoi. Paul, pasteur, parle de qu'il a reçu 40 coups moins 1. Moins 1. Moins 1. Uh-huh. 39 coups. Il a reçu 39. Il a une explication à cela. Exactement. C'est que Paul, il était en train d'être, c'est quoi le terme? On le persécutait. Il était en train d'être persécuté. Ce n'était pas à ce moment-là qu'on voulait qu'il meure. C'est comme ça qu'il a reçu aussi 39 et 40 coups moins 1, ce qui fait 39. Qui était une sorte d'habitude pour les criminels qu'on veut faire souffrir, en fait. Ok. Donc,
pasteur, c'est pour dire pour nos amis qui nous suivent ce soir ou maintenant, je ne sais pas à quelle heure ils vont nous suivre, la guérison est possible. La guérison est une provision divine dans le sang de Jésus. Le Dieu que nous servons, depuis l'Ancien Testament, il se révèle comme Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui nous guérit. Amen. Donc cette provision de la guérison est encore vraie aujourd'hui. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Amen. Et parce que j'ai aimé au début du message, vous avez dit, lorsque il nous arrive de louer une salle, par exemple, qui a servi la veille à autre chose, qu'il y a la présence des enfants de Dieu, ils amènent au fait la présence de Dieu et Dieu au Père. Exactement. Parce que tu vois, avec les tabernacles, il fallait se déplacer, aller dans la tente là d'assignation. Et d'ailleurs, tu sais que c'est ce qui avait été amené même lorsque le temple a été construit. Et le temple en Jérusalem, quand vous allez, vous l'étudiez, vous verrez que c'est exactement le tabernacle qui est décrit dans le temple. Il fallait aller dans le temple physique pour pouvoir arriver dans la présence de Dieu. Maintenant, avec Christ, l'apôtre Paul nous démontre, nous le dit, que nous sommes les temples du Saint-Esprit qui habite en nous. Donc la présence de Dieu est en nous. Peut-être qu'on va revenir encore un peu sur ça dans les jours qui viennent. C'est ainsi que nous apportons la présence. Là où nous allons, c'est nous qui amenons la présence de Dieu. Pasteur, nous allons d'ici là, dans une, deux minutes, chuter. Est-ce que certainement il y a les amis qui nous suivent? Parmi eux, il y a certainement des malades. Ils ont besoin d'une parole qui vient de Dieu au travers de vous. Je voudrais en fait dire à quelqu'un, si tu es malade, toi qui nous suis, peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo ou sur cette émission, il n'y a pas d'après Dieu une maladie incurable. La première dit, j'enlèverai la maladie du milieu de vous. Amen. Je ne vous laisserai pas subir la même maladie qu'a connue ou qu'ont subi les enfants d'Égypte. Parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis l'Éternel qui guérit. Amen. La guérison est encore disponible pour toi. Amen. Même si les médecins ont déclaré que c'est impossible, c'est compliqué, j'aimerais te dire que docteur Jésus guérit encore. Amen. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Nous allons chuter, pasteur, ces beaux moments avec nos amis à travers par une prière que je vais vous demander de pouvoir faire ou adresser à Dieu en faveur de tous ceux qui nous suivent. Bien-aimés, où que vous soyez, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, quel que soit l'état de votre famille ou de votre emploi, les dieux que nous prions, ils restent les mêmes. Il n'a pas changé, il opère encore aujourd'hui. Et parce que nous parlons guérison aujourd'hui, croyez que Jésus vous guérit, docteur Jésus est là et l'homme de Dieu va l'invoquer pour vous. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que nous avons aujourd'hui l'occasion de profiter de ta présence. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a été loin, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades. Il n'a pas laissé une seule personne, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est approché de Jésus qui n'a pas reçu sa guérison. Ô mon Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À cause de ta présence, parce que quand tu étais physiquement sur la terre, dans ta présence, il y avait guérison. Quand quelqu'un s'approchait de toi, il recevait la guérison. Comme tu es là, en nous, avec nous, nous croyons, Seigneur, que les malades sont guéris. Amen. Nous croyons que même les situations compliquées, difficiles, reçoivent ta main pour une restauration totale de la santé. Nous te bénissons, Père, parce que tu accomplis ces choses selon ta promesse à notre gare. Pour ceux qui te connaissent et ceux qui te servent, nous acceptons le merveille que tu accomplis pour nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Comment profiter de la présence de Dieu? C'était le sous-thème exploité par l'homme de Dieu, le pasteur Bishop Pius Mbayabo, qui nous vient d'Atlanta, et nous profitons pour saluer tous nos bien-aimés d'Atlanta et de partout où que vous soyez. Et je veux également profiter de ces moments pour saluer tous les héros dans l'ombre, toute l'équipe de communication de la parole éternelle, que vous ne pouvez pas voir, mais que le Seigneur connaît très bien. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous nous voyons demain par la grâce du Seigneur à ce même endroit. Vous vous souvenez, il y a quatre réponses à la question « Comment profiter de la présence de Dieu ?» Aujourd'hui, il a été question par le sang de Jésus. Alors, ne manquez pas demain.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons dans le très bon nom de Jésus-Christ. Au revoir.